Culture. Et elle est avec nous ce matin. Bonjour Linda Tamdrari. Vous êtes en super forme. Hein. Merci Linda, vous aussi. C'est un plaisir en tous les cas de vous retrouver ce et matin. Aïchek, merci Linda. Fatema Sharef, on revient ce matin sur le gros rendez-vous qui va ouvrir ses portes prochainement. Le Festival international de la bande dessinée. Il ouvrira ses portes demain, donc ce mardi. Et ça va être un moment très très fort puisqu'il va y avoir beaucoup de représentants de pays donc, qui seront présents, tels que le Japon, la France, donc les États-Unis, enfin, beaucoup de pays seront là, ils sont déjà là. Hein. Et il faut savoir également que cette édition excelle, notamment avec ses ateliers vivants. Vous pouvez aussi participer, rencontrer aussi de grands BDistes du monde. Et puis, vous avez également donc cette formation, on peut devenir aussi apprendre à faire des dessins. Donc, ça va être vraiment un très, très beau rendez-vous, comme chaque année. Donc, il fera bon aussi. Donc, en plus, ça se passe sur l'esplanade de Riyad, les gens seront à l'aise. Exactement. Oui, pour visiter les stands. Oui, il va y avoir des ventes aussi de BD. Donc, la rencontre aussi de personnages. Parce que vous savez, c'est aussi des personnages. Exactement. Avec le monde du cosplay. Souvent donc, trop bien imité, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Oui, oui. Il faut savoir que l'Algérie, il faut le dire aussi, que c'est aussi avec le FIBDA, ça a été l'un des pays qui a aussi beaucoup excellé dans le costume, dans les personnages. Donc de manga depuis très longtemps et on est fiers de cela également. Bien sûr. Donc nous avons cet événement, nous avons aussi le festival du théâtre international pour le mois d'octobre est un mois assez riche en événements culturels et artistiques. Vous avez le théâtre à Béjaïa, le théâtre international, le festival du théâtre international, ce sera à Béjaïa. Nous avons aussi le film arabe donc qui ouvrira bientôt Oran. Ses portes à Oran, bien avant le festival donc du théâtre à Béjaïa. Donc c'est un mois très très riche avec beaucoup de rendez-vous culturels. On y reviendra très certainement dans nos bien éditions. Bien sûr Linda, bien voilà. sûr vous allez revenir sur toutes ces informations, notamment dans la chronique culturelle le matin, entre vous et Abdelkrim Tazarout, c'est ça dans 6-9 la matinale. Et puis il y a Mouni Hamza aussi que l'on salue, donc on est un trio et puis, très voilà, bien. On se fait plaisir tous les en matins partageant toutes ces en partageant ces informations. Et notamment aussi avec votre émission de 9h à 10h, de 100% culturel. Merci beaucoup. Coucou Linda Tamdrari, il est 7h bientôt, pas 16h, il est 7h, bientôt 56 minutes.